rhi980.com, www.hsrradio.com, sur Audio Now 712 432 73 38, 712 432 73 12, 954 449 21 28. Radio Haïti Amérique Internationale, 980 AM, la voix de la communauté haïtienne du sud de la Floride. Oui, 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 c'est ça encore, et bonsoir et bienvenue sur Entrepreneurs Amlink Show avec Farrah et Matt. Qui rentre la carrière tous les lundis de 7h à 7h30 pour nous boire un peu d'informations sur les affaires entrepreneurship, comment pour ouvrir un business, comment pour gérer un business, et puis avec un peu d'autres informations sur un business en général. Is it my turn? Yes. We're back. It's Monday, 7 p.m. Hope everybody's out there listening, and maybe if not, you're watching on the internet with us. So welcome back. We're here. We're going to do a great show today. We're going to talk about, what are we going to talk about? Small business ownership and the specific regulations, law and the specific regulations that sometimes we have to deal with when we're starting our own business or when we have our own business, to make sure we're compliant with all the rules and regs in our specific industry. So, without further ado, it's now 2 minutes past the hour. I'm Matt. This is Farrah. Let's get busy. Oui, c'est ça. Bonjour, Dian. Et Topic Show, hein? Comme que nous connaissons que tous les lundis, nous venons avec information pour nous sous affaires en business. Au Topic Jodian, nous allons parler de loi et régulation sur les affaires et business en général. OK? Bon, encore, c'est Farrah et Matt qui rentre la caillou. So, let's get busy. Today, we have a big show, great show. We're going to cover a lot of bases. We're going to talk about these laws and regulations. We're going to talk a little bit about life insurance. We're going to talk a little bit about doc prep. And, of course, our favorite, we're going to get busy with our new institute, Transnet Global Institute, the new school that's going to provide English as a second language and entrepreneurship school teachings. And we're really excited about it. So without further ado, let's jump right in. So first we're going to start with... Advertise. What is no. it? No, learn about business. Oh, okay. Learn sorry. Business and regulations. Okay. So let's start there. Which, yes, you're right. You know, we should be familiar with as a small company, a business, whether you're starting out or you're already in business, you should definitely learn about the basic rules when it comes to advertising, labeling, and marketing your products and services. Obviously, when just to pick an example, I mean, in today's world, you know, if you're in the food business, you have to label with the ingredients. You must be compliant that way and make sure you do that. If you don't, then, you know, you could be fined by governing bodies. So, you know, that's just one small example of how you must, you know, really pay attention to the advertising and marketing laws. Bon, exemple. Not pour exemple, parce que n'a commencé pour les gens pour faire réclame lors en business. OK, ça veut dire que gen moun comme si qui comprennent que l'offre et réclame comme si on fait marketing, ça veut dire on fait promotion, c'est de produits qu'a fait n'importe gens. Non, gen règle comme si à suivre. OK, so c'est même genre avec par exemple que on dit par exemple on business manger. OK, bon série de manches, bon série de bagages comme sont supposé comme si respecté. OK, et puis par exemple ou même comme dit qui va ouvrir un restaurant. OK, bon série de bagay qui très important, une série de données, une série de règles, une série de lois qui très important même pour qu'on ait. C'est pas seulement pour restaurant, bon, on a parlé de business en général, mais nous pour exemple soit à faire manger, soit à faire restaurant. She did good again. I love when she speaks French. So, let's go into the next topic within the laws and regulations, and specifically we'll talk about something more to the point of employment and labor laws. You must be compliant there too. You know, we have employees. You can't just say, listen, you're going to be working, boom, 18-hour days. Can't do that. You got to make sure you're compliant with, making sure you're providing facilities, whether, you know, the bathroom, maybe you have a break room where they can get a cup of coffee or a glass of water.
you know, you have to make it a nice environment for them. And there's other specific laws specific to each industry. I mean, I know in the food business, you got to give them a couple of breaks every 4 hours. I'm sure it's the same in other manufacturing businesses as well. And, you know, these are all, you know, all part of the employment and labor laws that we have to, you know, follow. Also, when you're hiring your first employees or, you know, building your business team, you know, you got to keep in mind that there's usually a guide and, you know, there are labor laws and employment laws, and they're all available online. You can easily find them, or you can give us a call and we'll help find it for you. So, again, remember, you got to be fair to your employees. You got to be compliant. Bon, kounye an a parlé comme si de loi, comme si il travaille. Vous avez dit que loi pour employer moun. OK? C'est ça fait que grand pile moun qui gen business, bon, de fait que pas respecter loi travail lan, travailleur yo, yo vin gen problème avec et l'état et puis les obligé faire un business. Ça veut dire que surtout moun ka paye moun yo comme si W2, ça veut dire moun qui pas ten nani, ça veut dire moun qui pas un contracteur indépendant. OK? Ça veut dire que gen loi sous affaire et travail. So, ça veut dire que c'est très important, mes amis. Si vous avez un business, ça veut dire que faut qu'on connaisse loyau. OK? Ça veut dire que les gens qui travaillent en temps plein avec nous, OK? Nous avons non seulement un salaire minimum, et puis l'autre règlement. Naturellement, nous ne pouvons pas élaborer tout règlement, ça veut dire aujourd'hui. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, vous devez aller même avec Matt. Nous kabawe ou bien on va reler nous tout et puis n'a bo téléphone direct comme si gouvernement côté qui ba et plus information sous affaire loi comme si et loi travail en général. In general, huh? Got that word. I'm getting good at this French stuff. You're learning. Yes. So, now your next subject matter within business law and regulations that we're going to talk and touch on is financial law. So basically you if you're in the financial space, you really should be more familiar with some of the financial laws that protect not only businesses, but investors and consumers. And you have to really figure out how to truly comply. I mean, a lot of us, you know, in this country specifically, real estate is a huge industry and it has many, many different branches and arms to it. And there are a lot of areas in which you must comply with state and even federal laws. And when we talk about, you know, financial, we got to make sure that we do it and comply with all of those regulations. So make sure you're familiar with them because otherwise, you know, well, you know, something can hit the fan. Anyway, that's what I would say. Oui, c'est ça. Bon, au point de vue comme si finance, moun ki bal rentre dans business comme si ki en rapport avec finance, OK, finance en général. So, ça veut dire que, bon, ça li, même. Il y a encore plus et plus restriction. OK, c'est ça fait que n'après que on pense deux compagnies qui étaient fait mortgage je fermé. Pour qui ça parce que même pas de suivre loi. Yo pas de suivre comme si les marchés à suivre ce qui ça peut respecter, ça peut pas respecter. So, pas qu'un choix qu'on est obligé fermer. So, ça veut dire que depuis n'après dans affaire finance, OK, gain loi ça, avait dit gain loi pour ça. Ça veut dire c'est pas cool ouvrir business non. En vente c'est pour nous faire une série de recherches, prendre information et puis laisser nous ouvrir business là. Mes amis, depuis nous fait tout à fait nous bien mes amis. Au point de vue comme si business ou pas gagne rien pour peur OK ou pas gagne pour peur tout ensemble va gagner pour peur en quel monde on seul bagage c'est respecter loi yo encore plus information c'est relier moi avec Matt parce que nous rentrer la caillou tous les lundis de 7h à 7h30 pour bonne information sur affaire entrepreneurship business en général OK on croit que kounya là nous va passer en l'autre sujet what are we going to talk about today again? Well, I just wanted to, I think we should talk just one more thing okay, here. So we're going for, okay. Just one more little piece here to the business law and regulation. I think it's important just to touch on basically online business law. Okay. And, you know, whether you're selling on eBay or operating an e-commerce site, there are definitely laws now that are there that you must comply with and learn. Specifically, we're talking about sales tax. And you really got to figure out a way to be on top of that. Because if you're not collecting your fair share, you know, somebody's going to be coming knocking on your door. So keep that in mind. And I think that's like one of the most important things. That's very, why I wanted to add very, that. Yeah, so, that's awesome. So make sure you tell them. Okay. Tell them now. Give it to bon, them. Bon, et ça m'a dit, hein, qui est très important, parce que nous demandons comme si il a ajouté là-dedans. C'est parce que c'est ça qui, bon, m'a dit, c'est pas à dire la mode, mais c'est ça qui a fait un pile comme qu'on y a là. OK? Moun comme si qui a besoin de faire business online, yo. Ou bien moun ki deja fè business online. Mais
Mes amis, pas arrêter comprendre parce que online dans son cadre que son bagage qui gratis ou qu'a montre faire son film. Non, pas penser ça non. Ça veut dire que ou même qui l'an déjà dans business online non? Ou bien qui besoin investir dans online business, gon série de règlements c'est pour nous suivre surtout pour faire taxes. OK? Vous avez dit que c'est pour nous make sure que ça n'a pas venu, faut que nous retirer comme taxe là pour nous payer pour nous pas gagner tête chargée. Sans contrôler tout bon nous capable gain temps pour élaborer ces affaires comme c'est advertisement marketing, mais gain loi tout soit faire promotion business ou online, OK? Encore toute information sur affaires business Farrah et Matt. Always. Yes. Always can call us, ask us if you're not sure. Because at the end, I do. I'm getting it. It's so starting to sink in. Look, if you need information, you got to just call. If you're not really sure, you should ask. Because quite honestly, you don't want to make a mistake. It could cost you lots of money and potentially your business. So make sure you just ask the questions because, you know, being silly and avoiding it is just going to be, you know, cause a potential train wreck, so let's not do that. Oui, c'est ça. So encore pas fait ouais, pas prendre chance pour faire ouais parce que c'est pas bon pour. Encore c'est fait à fond en droite, en ordre. Et puis si vous avez n'importe quelle question, c'est relivrement avec Matt nous là pour ça. Ok? Ok. Là, nous va rentrer dans l'autre sujet. Beautiful. Ok. So let's move on. Now we finished that. I love banging on the table. Sorry about that, but we took care of our business portion of the show, giving a little tidbit about business and how to help yourself run a better business. But now let's talk about some more exciting things that we're doing too. We usually touch base a little bit on life insurance. We touch base on funeral expense. We talk about other insurances. But I think today I want to start off with a new line of business that we're also picking up now, which is document prep. And before you jump in and tell them all about document prep, I just want to touch base just to give you a few little caveats of what it is we're talking about. We're talking about immigration paperwork. We're talking about divorce paperwork. We're talking about child support paperwork. What's really cool is that Farrah is certified to do this type of paperwork. And to help you get through that process in a relatively inexpensive way, we can help you get through those papers and help do those docs for you and make it easier on yourself. So give Farrah a call. Oui, c'est ça. So, ça veut dire que en tout parce que nous-mêmes nous là pour communauté en général parce que nous connaissons que mes amis bagaille au dû. OK, bagaille au dû. So, ça veut dire qu'une série de mon mes amis yo pas qu'à payer une série de frais légaux pour préparer une série de documents tels que immigration. Tel que mon a besoin comme si venir un citoyen américain pas capable parce que yo prendre le trop corps pour ça mon a besoin remplir résidence pour famille mes amis longtemps c'était pour ta américain pour te remplir pour famille pour pas prendre pile temps qu'on a échangé bagaille ou obligé américain pour pas prendre pile temps so, ça veut dire qu'on besoin remplir une application résidence pour famille ou besoin comme si voyer on invitation pour monde pour venir visiter ici OK naturellement tandis moun yo nous pas officier immigration nous pas consul mais comme si nous spécialisé dans ça nous moi-même particulièrement moi certifié dans ça OK so, ça veut dire que quel que soit et document immigration que tu as besoin et que nous assistons là dans nous ca remplir nous ca aide excusez-moi et ça seulement pour faire c'est relé nous ça veut dire que tu as besoin comme si assistance tout besoin divorcer mes amis ça sont l'autre gros fléau OK moun ki marié et puis moun nan Haïti youn boy ici et puis moun nan besoin refaire vie li pa capable passer moun nan Haïti oui ou ka divorcé gon forme pour ça ko ka faire divorcé ki le publication divorce ou publication oui ou ka fèl ou bien ou même tout par exemple ki gon child support ki trop pour ou perd du travail ou pour payer même comme ou te konn payer l'autre travail là oui ou ka modifier parce que yo fait système non façon pour tout moun vivre parce que pa gen affaire de ces système c'est pour femme seulement non système nan kou nage ou fè li ou fè le fèr li. Ça veut dire ni pou ni garçon ni fi. C'est ou même qui vous connaît qui côté pour faire pour même pour qu'on loi pas là. Pour qu'on doit nous même nous va avoir conseil légal non mais nous même nous ka dou exactement sous gen problème et puis nous ka dou bon même qui ça ka fè. OK? So ça veut dire que encore pour toutes affaires documentation en général, c'est relé moi même avec Matt, l'an 954-226 2865 954-226-2865 ou bien 305-215-78
7881. 7881. Sorry, I forgot your last four. Perfect. Okay, good. Okay. So we got that covered, right? Yes. So you guys can give us a call, Doc Prep, we're ready to rock on that. And you got the phone numbers now. We're very excited to start that business. And actually Farrah has done it many, many years already. So she's all certified and ready to go and bring up that part of our business line as well. So now we're going to jump into, I think we should talk more about life insurance again. Yeah, life insurance, yeah. And I think it's important to note that, life insurance, sometimes is, not easy to get because maybe one has medical conditions that might prevent them to get it. And I like to point out that we have answers for those situations, and that we call it funeral expense. We have the ability to do things without, medical underwriting. So you can still cover your family in a basic way and protect yourself and have, the peace of mind that maybe that's what you're looking for. And we can help you with that. It's just something we offer. So, and it doesn't mean we're going to push you into that. It just means that it's just an option that's out there. So keep that in mind. Oui, c'est ça. On en a parlé de assurance de vie. Raison qui fait que nous venons sous affaire assurance de vie, hein? Parce que assurance de vie, c'est un bagage qui est important. OK? So, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de retourner pour nous élaborer, mais nous avons dit que ce bagage qui est important pour ça, parce que mes amis, ou pas qu'à connaître que nous tous gagnons pour mourir et puis sous mourir, qui sera privé petit tout, ça sera privé madame ou bien maou, etc. Ça veut dire, mes amis, c'est protéger famille. Sous remè petit tout, remè maou, remè madame ou bien remè, moun ka poukupo, moun ki la volant, faut ka sécuriser moun nan financièrement de mes dieux en cas kouta mourir. So, ça veut dire que sous ta besoin faire ça encore, ou pas gagne l'autre moun pour contacter, c'est moi-même avec Matt, dans 954-226-2865. Encore 954-226-2865 ou bien 305-215-78-81. Encore 305-215-78-81. You got the numbers that time, yeah. Right? 305-215-7881. Finally. That's good job. So, and we're getting calls in already. I'm getting calls up here. And listen, I'd love to talk to you. We're going to set up in the next couple of weeks a way to actually have you guys call in and get you on the air. So be paying attention for that. We'll set that up in the next couple of weeks. And also while I'm on that topic of the next couple of weeks, we're looking to bring on some special guests. And so we're going to keep it a little suspenseful, but we have a couple of exciting guests that we'll be bringing on that I think everybody out there will really, really enjoy listening to. So we're looking forward to that as well. So now... more life insurance, or should we talk about the stuff we really want to talk about? Well, the stuff. The stuff? Yeah. All right. So, what stuff is it that we're really excited about, what we've been talking about for the last couple of weeks? That's right. Global Transnet. Net Global Institute. I said it backwards. Backwards. Transnet Global Institute. Wow. I'm so excited I got it backwards. So, we're going to start our school. We're launching this. We're hoping to start this in the beginning of May. And we want everybody to, sign up as soon as you can because space is limited. We don't have a lot of seats. We're going to be offering English as the second language. We're going to be offering the entrepreneurship training. And we can't wait. It's going to be awesome. We're going to be down there in Haiti. We're going to get this thing off the ground. And we're just going to help everyone who wants the help. And we're just looking forward to talking more about it. Bon, c'est ça. Ça que nous rentrons qu'on y a là, et l'information que nous avons porté bas ou encore, c'est lui-même, comme je me disais, qui sujet potomitant et me m'a dit chenoua. OK? Nous avons parlé qu'on y a le Transnet Global Institute. Transnet Global Institute, là, qui s'allie? Pour les gens qui partent la semaine passée, les semaines d'avant. Transnet Global Institute, c'est l'école internationale. OK? Ça veut dire que base l'école là déjà ici déjà. Ça veut dire déjà aux États-Unis. So, l'ENAM dit que son école internationale, ça veut dire son école qui fait pour moun, surtout qui l'an les pays étrangers. OK? Tel que moi-même, moi rentré en partenariat avec Matt,
ça veut dire que moi-même nous venons prendre décision pour nous-mêmes pour nous ouvrir une branche en Haïti. OK? Branche ça lui-même c'est lui-même qui bral facilité famille on petit ou zanmi ou et cetera ira. Qui ça que nous va l'offrir là l'école là, c'est cours anglais. OK? Pour moun ki pa konn parle anglais, pour moun ki déjà konn parle anglais ki ta reme améliorer anglais yo, OK? Et puis avec cours entrepreneuriat. OK? Mais cours ça libral facilité moun nan lèl fin suivre session de 3 mois li, OK? Laisse akounya la libal gen opportunité. Nou pa di que moun nan brale et puis visa et puis rentrer, non c'est pas ça. Parce que pour gagner opportunité a pour li vinn suivre séminaire de 2 semaines ça ici là faut li acheminer quoi en Haïti ça veut dire que faut li compléter quoi OK l'elle fin compléter quoi après 3 mois OK là ça qu'on a nous-mêmes nous faire on ka di une cérémonie de complique pas ka di graduation mais c'est quand qu'on graduation OK et puis là ça qu'on a moun ça lui-même libral jeune en référal en lettre de référence pour lui-même pour la présenter devant consulat côté que l'école nous hein moi-même avec maintenant déjà situé ici côté que lui-même nous bral et mandé l'en sous forme l'en lettre là que nous bral voir balier pour la devant consulat pour voir que lui-même s'il te ca venir suivre séminaire là bon ici pour qui ça parce que cours en fait en Haïti OK théorie qu'on a nous-même pratique là lui-même c'est pas